Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un voyage de 485 km au fil du Lot. La deuxième rivière la plus longue de France prend sa source à 1300 mètres d'altitude et se jette dans la Garonne, à Aiguillon, dans le Lot-et-Garonne. Perché sur un nid d'aigle à plus de 80 mètres au-dessus de la rivière, Saint-Cyr-la-Popie, l'un des plus beaux villages de France. En 1950, André Breton tombe amoureux du lieu. Il achète l'ancienne auberge des mariniers et il y vient tous les étés avec ses amis surréalistes. C'est tout un village qui est perché sur un nid d'aigle. À plus de 80 mètres au-dessus de la rivière, voici Saint-Cyr-la-Popie. Les ruines de son ancien château et son église fortifiée sont une marque de sa prospérité passée. En contrebas, cette maison appartenait à des chevaliers. Elle possède des créneaux en trompe-l'œil. Vu depuis l'autre rive, il servait à impressionner l'ennemi. Mais ce qui intéresse Sylvain Lacaze et Laurent Doucet, c'est une autre histoire. Celle du poète André Breton, le chef de file des surréalistes. En 1950, il tombe amoureux de ce village. André Breton arrive par cette route, donc visiblement en fin de journée, début de soirée. Et à cause de l'inauguration de la route mondiale de la paix qui passe par Saint-Cyr-la-Popie ce jour-là, il y a des feux d'artifice qui sont tirés sur le village. Et là, à ce moment-là, une véritable illumination, un coup de foudre pour ce village. Et il dira, j'ai cessé de me désirer ailleurs. André Breton est charmé par l'ambiance médiévale de ces ruelles. Il achète l'ancienne auberge des mariniers. Aujourd'hui, cette maison est en vente. Mais Laurent Doucet se bat pour qu'elle devienne un lieu dédié à l'artiste, ouvert au public. André Breton vient tous les étés dans cette maison. Elle devient le pôle d'attraction de ses amis surréalistes. Ils forment une communauté poétique. Ils inventent des jeux d'écriture fondés sur le hasard. Ce matin, les deux hommes rapportent une malle ayant appartenu au poète. Devant la table du surréalisme. Attention les doigts. Et voilà. Alors ici, il faut imaginer cette table un peu comme, malgré sa forme, un peu la table ronde des chevaliers du surréalisme, hein, avec le siège périlleux, hein, du roi Arthur qui serait André Breton, et donc ses amis composant des vers, bon, passant des bonnes soirées, surtout les journées d'été où il venait principalement, ou faisant des jeux poétiques qui, dont certains ont été inventés ici, autour de cette grande table. Quoi. Parmi les nombreux artistes qui sont passés ici, par exemple le peintre et photographe Man Ray ou le photographe Henri Cartier-Bresson, voire la chanteuse Juliette Gréco et d'autres autour de cette table, composant des jeux poétiques, faisant des banquets. Pour André Breton, tout est prétexte à la poésie, même le grenier. Ici, on se trouve dans la plus ancienne partie de la maison. Une ancienne tour de garde du XIIe siècle, donc du Moyen-Âge, une des plus anciennes certainement même de Saint-Cyr. Et c'est volontairement qu'on nous dit que Breton avait voulu laisser cet espace aux oiseaux, comme si la plus belle partie de la maison devait être laissée poétiquement à ces animaux, dont le chant, pour lui, était source d'inspiration dans sa poésie, allant même jusqu'à leur laisser la plus belle vue sur le Lot depuis Saint-Cyr, à partir de la fenêtre de cette tour. C'était donc en remontant le Lot, un film réalisé par Lucille Bélanger, le Lot qui traverse le sud de la France sur près de 500 km, de la Lozère où il prend sa source jusqu'à sa confluence avec la Garonne. Depuis notre tournage, la maison d'André Breton à Saint-Cyr-la-Popie est toujours en vente. Toutes les tentatives de rachat par les associations ou par les collectivités locales ont pour l'instant échoué. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet et bien sûr suivre notre actualité
l'actualité sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter. Je vous laisse avec toute l'équipe du Grand Soir 3. Excellente fin de soirée à vous. Bonsoir et à bientôt.